Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale retour de course que j'ai effectué chez Lidl, comme toujours et comme d'habitude. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai juste une petite précision à apporter concernant ma chaîne, notamment sur les commentaires. Et oui, malheureusement, on a toujours des commentaires négatifs, surtout méchants, désagréables et irrespectueux. Pour ma part, ces commentaires seront directement, dans la foulée, supprimés de ma chaîne. Je cautionne tout à fait le fait qu'on n'aime pas une vidéo, c'est pour ça qu'on a les dislikes, mais le non-respect, je ne tolérerai pas ça. Donc, ils seront supprimés directement, donc inutile de se fatiguer à écrire des méchancetés. Mais sinon, vous êtes toujours la bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je vais prendre directement mon retour de course. Donc là, j'ai pris une boîte de glace, donc mini cone de la marque Lidl Gelateli. Ici, j'ai pris donc des magnums au chocolat blanc. Donc c'est tout pour les glaces, hein, c'est tout ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai fait une belle découverte, donc les nuggets de blé vegan. J'ai été assez surprise, ils étaient vraiment super bons, donc j'en reprendrai la prochaine fois. Ensuite, j'ai pris du jambon de dinde halal. Et comme je l'avais déjà dit dans une de mes dernières vidéos, j'ai du mal à trouver des produits halal chez Lidl parce que ça part en fait tellement vite que du coup maintenant dès que j'en vois, bah j'en prends directement. J'attends pas 2-3 jours, je les prends directement. Donc là j'ai pris des allumettes de poulet fumé. Ensuite j'ai pris donc des tranches d'emmental français, notamment pour les sandwichs et tout, de la crème fraîche. J'ai pris ici du beurre, donc Saint-Hubert Oméga 3, il y avait une offre. Un acheté, le deuxième était à moins 60%, il me semble. Donc j'en ai profité parce que j'en utilise vraiment tous les matins pour le petit-déj. J'ai pris une pâte à pizza pour des recettes rapides et express. Ici, j'ai pris une pâte feuilletée, pareil en fait, pour un peu tout ce qui est apéritif et des petites recettes fraîches. J'ai pris ici deux packs donc de élevés en plein air, bio. J'ai pris ce sachet donc de fromage râpé, toujours le même. Et donc là, je passe directement aux fruits et aux légumes. Donc là, j'ai pris cette pastèque. Elle était super bonne, donc sans pépins. Ça tombait très bien. J'ai pris ici des bananes en vrac. Ici donc j'ai pris pareil des abricots en vrac parce que dans les petites boîtes ils étaient pas vraiment top donc j'ai préféré prendre en vrac directement. Pareil pour les prunes rouges. J'ai pris aussi donc ce petit melon. J'en ai pris deux, pardon. J'en ai pris deux. Ensuite j'ai pris un concombre. J'ai pris une petite boîte comme ça de carottes, donc d'un kilo. J'ai pris donc un filet de tomates rondes, ce sont toujours les mêmes, donc voilà, je les utilise dans mes plats, dans mes salades, donc c'est très bien. J'ai pris ici des avocats toujours mûrs à point. Ensuite, j'ai pris un seul sachet d'oignons. Parce que j'ai remarqué que si j'en prends plusieurs et que je les laisse dans mon petit panier, bah au bout d'un moment ça pourrit, donc je préfère prendre au fur et à mesure. Ensuite j'ai pris donc toujours les mêmes petites salades. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Je vais passer à tout ce qui est petit-déj, boissons, légumes. Légumineuses également. Donc là j'ai pris ici de la confiture de fraises allégée. Donc du coup c'est pas mal, j'ai trouvé ça. Ensuite là j'ai pris du maïs. Ils sont vraiment moins chers ici qu'ailleurs, donc
Ça tombait bien. J'ai pris ici donc des champignons de Paris. Il n'y en avait pas frais directement, donc j'ai pris en boîte. Et là, j'ai pris qu'une seule boîte de pois chiches, tout simplement pour faire une salade de pois chiches. Je vous mettrai le lien. C'est une salade assez simple avec des pommes de terre, donc c'est assez bon. Et là, donc de la ciboulette. Ici, j'ai renouvelé mon sucre. J'ai renouvelé les lentilles vertes. Donc à 71 centimes le pack, ça vaut le coup. Pareil pour le riz, j'aime bien en avoir sous la main à chaque fois. On ne sait jamais quand les enfants en réclament ou même quand j'ai juste envie d'accompagner une sauce avec du riz. Voilà. J'ai pris des flocons d'avoine. Du lait d'amande sans sucre. Donc de la marque Björg, mais franchement, ils sont pas chers par rapport à la concurrence. C'est vraiment pas cher. Donc je suis assez contente d'en trouver ici à ce prix-là. J'ai pris du jus de clémentine pour changer un peu du jus d'orange. J'en ai pris 2 bouteilles. Et donc du sirop de fraise, parce que ma fille maintenant elle ne prend plus de chocolat en poudre dans son lait, elle préfère donc du sirop de fraise. C'est plus frais et tant mieux, elle aime bien ça. Donc j'ai renouvelé le pain de mie. Donc à ce prix-là, honnêtement, c'est très très bien et en même temps c'est très bon. Je préfère vraiment celui-là par rapport aux autres que j'ai pu manger auparavant. Ici donc j'ai pris des pains pour hamburger. Voilà, c'est l'été, ça donne envie de manger un petit peu ce genre de choses. Donc voilà pour tout ce qui est un petit peu préparation, petit-déj. Donc là je passe au snack, au goûter. Et donc là, je vais commencer par tout ce qui est, donc voilà, par les chips. Donc ça, c'est l'équivalent des Monster Munch. Très bon aussi. Ensuite, j'ai trouvé donc ces barres de céréales et franchement, elles sont délicieuses. J'ai adoré. J'en reprendrai, c'est sûr et certain. Donc j'ai pris 2 parfums, un chocolat au lait et l'autre chocolat blanc. Ensuite, j'ai fait mon stock donc d'amandes. Là, il y avait un prix, c'était 2,19 € au lieu de 2,99 € en temps normal. Donc franchement, j'étais assez contente. Ensuite, j'ai pris ici cette boîte donc de compote avec plusieurs parfums. Pour l'été, en fait, mes enfants, ils adorent ça. Je laisse ça au frais, donc c'est super. Et j'ai pris ici de la levure boulangère. J'en avais plus du tout, donc du coup, j'en ai pris. Ensuite, j'ai pris une bouteille d'Oasis Tropicale, comme toujours. C'est la seule boisson que je donne à mes enfants. Donc, tout ce qui est gazeux, ils ont pas droit, en fait. Donc, je préfère même pas leur donner. J'ai renouvelé le lait. Et pareil, j'ai pris de l'eau. J'ai pris un pack d'eau de 2 litres. Donc là, je vais passer à tout ce qui est hygiène et entretien. J'ai pris le liquide vaisselle, j'ai repris le même que la dernière fois, il me va très bien. Donc le shampoing également pour les enfants, donc format familial. J'ai pris un gros rouleau de Sopalin. Et j'ai pris donc du papier toilette. C'est les moins chers, hein, franchement, après, voilà, ça va aux toilettes, donc je me prends pas la tête avec le prix. Ensuite, j'ai pris cette mandoline. Franchement, je suis vraiment pas déçue. Je suis super contente. Elle fonctionne très bien. Sachant que c'était un produit que je cherchais depuis bien longtemps, que j'avais du mal à trouver sur Internet, c'était assez cher. Et donc là, j'ai profité de l'occasion donc chez Lidl, sachant qu'en plus c'est valable pour les légumes, pour la découpe des légumes et des fruits. Et en plus, voilà, à ce prix-là, c'est assez avantageux, surtout que j'ai une garantie donc de 3 ans. Donc voilà, c'est terminé pour mon retour de course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.